bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de notre aventure sur Star Wars Jedi Fallen Order. Comme d'habitude, mettez en 2K 60 FPS, prenez un petit truc à boire ou à manger et régalez-vous surtout durant cet épisode qui va durer tout de même une bonne demi-heure au minimum, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, de retour sur notre planète. Souvenez-vous, on avait débloqué un sacré raccourci. Et en plus de cela, on avait vu une corde qui menait tout en bas. Donc, on y va. On y retourne, plutôt. Et on va voir un petit peu où ça menait, sachant que je ne pouvais pas encore aller... ouais, attendez. Non, c'est pas là que je pouvais pas aller. C'était juste en face, voilà, dans ce temple de ouf. Parce que je n'avais pas le saut ou le double saut encore acquis, évidemment. Bon. Attendez, si on lui reparle. Depuis combien de temps vous êtes là? Assez longtemps. Cette planète m'a offert l'asile dont j'avais besoin. Un abri quand j'étais faible. De la lumière quand j'errais dans le noir. Je vois. À savoir que Dark Maul apparemment viendrait de cette planète. Il est né sur cette planète, et les sœurs ont un lien avec Dark Maul, si j'en crois évidemment vos très nombreux commentaires. Je sais que vous êtes des fans et avant tout des fifous, donc je vous crois sans problème. Il y a quelque chose en bas, qu'est-ce que c'est? Je... Très bien, on ne peut pas le prendre. De toute évidence, le plan a échoué. Très bien, bah on va remonter. On avait fouillé, hein, là-haut, ça menait à une orbe. On va partir. Vous étiez aussi très nombreux à dire, B-Boy, tu peux quitter cette planète, tu n'as rien à faire. Prêt, quoi? Il est touché. Ok. Prêt. Ok. En avant, let's go. Ok. Oh la vache. Tu gagneras pas. Attends. Comment Ok. Oh là là, le monstre. Mais je savais pas que j'avais de l'XP qui traînait par ici. Bah écoutez, on a presque un niveau avec ces conneries. Donc, retour au vaisseau. Si vraiment on n'a rien à faire ici, ça ne sert à rien d'insister. Hein. On va pas se mentir. Peu cher au bonne mère, comme on dit. Donc, retour au vaisseau. Je vous dis à tout de suite dedans. On va pas perdre plus de temps. Je pense pas que faire le retour, ça vous hype de ouf. A tout de suite. Tout allez. Va bien, Gris. Ça va aller. T'es avec des Jedi. Il t'arrivera rien. Qui est là? Oh, Cal. On est prêt à partir? Je viens prendre des nouvelles. Je reviens tout de suite. Eh ben, on est totalement prêt à partir, étant donné qu'on va aller sur une quatrième planète, qui est tout simplement ici. C'est parti, direction Kashyyyk, s'il vous plaît. Et on aura sûrement un nouveau pouvoir. J'espère que vous ne m'avez pas dit de bêtises et qu'on ne quitte pas cette planète trop tôt. On perdra un petit peu plus de temps sur cette planète dès qu'on aura, dès qu'on reviendra tout simplement avec le nouveau pouvoir. Quelqu'un a des problèmes d'argent? Je veux dire, ouais, ok, j'avoue qu'il y a un peu de ça, mais j'ai l'habitude. Et toi, t'étais riche avant? La fortune n'est pas la priorité des Jedi. Ouais, j'étais pauvre aussi, mais c'était pas si terrible. Avec mon ancien équipage, on arrivait à s'en sortir. C'est là que j'ai appris à jouer au sabacc. Un jeu qui demande des crédits. C'est un drôle de choix. Ah, on était jeunes. On misait des trucs stupides, de la nourriture ou des cailloux rigolos. Malheureusement, ça a mal tourné quand on a vieilli. Les cailloux rigolos, c'était plus vraiment suffisant. C'est dommage. La galaxie s'en porterait mieux. Hé, petit gars, assieds-toi, on y est. Ouais? Oh, on va quand même pas forcer ce blocus. Oh non, pas si nous avons le choix. J'ai fait en sorte que le transpondeur du Mantis émette un signal impérial. Hey, Grise, ouais. Dissimule notre signature et fais comme si de rien n'était. Ah, comme sur Braca, les doigts dans le nez. J'ai pas besoin d'une autre paire de mains. Contente-toi plutôt de surveiller d'accord. Les scanners. Ok. Très bien. Je vois rien du tout. Il se focalise sur ce qui se passe au sol. C'est bon.
C'est pas rassurant. L'Empire dépouille Kashyyyk de ses ressources naturelles. Les Wookiees sont asservis. Ou alors déportés. T'es passé à un cheveu, petit gars. Je croyais que t'étais censé surveiller les écrans. Une mutinerie. Des Wookiees et leurs alliés s'en prennent à un convoi impérial. Des marcheurs approchent de leur position. Darfoul est peut-être avec eux. Darfoul peut être n'importe où. Si ça se trouve, il est déjà mort. Et c'est aussi ce qui va nous arriver si jamais on est pris dans la bataille. On n'a aucune autre solution. Et ils vont mourir si on les aide pas. Alors, c'est quoi ton plan? Le sabotage. On s'occupait des marcheurs sur Braca. Je vais en pirater un. Ah, écoutez-moi celui-là. Il se croit revenu en pleine guerre des clones. Capitaine, approchez-nous de ces marcheurs. Attendez quoi? Écoute, ces marcheurs peuvent transporter des troupes, alors une fois dedans, sois très prudent. Il est temps pour la matière grise de faire des miracles. Hé, et fais-moi plaisir. Essaie de rester en vie, c'est d'accord? Je vais tout faire pour ça. Tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais, Tita. On se jette à l'eau, BD? Je ne sais pas où est le vaisseau. Par conséquent, il va falloir le retrouver. Parce que là, on est dans une sauce pas possible. Avant cela, nouvelle planète égale personnalisation, s'il vous plaît. Poncho, j'ai rien de mieux. BD, j'ai rien de mieux en poncho. C'est pas grave, le prochain poncho, on le mettra. Ok, on va s'occuper de ce marcheur. Puis un peu de rose dans la vie, ça fait pas de mal, on est bien d'accord. Ah, j'ai oublié de remettre le sabre bleu. C'est pas grave. On a sorti à BD1 et ses petits coups de cut de derrière. Allez, bombarde-moi ça. Attends, c'est un camouflage ou c'est juste de l'algue qui s'est accroché? S'il camoufle les marcheurs, ça retec de ouf en vrai. Hein. Même si on les entend arriver à 4 km. Ouais, je vois pas trop par où passer. Peut-être là, non? Sacré marcheur en tout cas. Ah mais non, je suis con, oui mais justement, les algues, incroyable. Ok, allez on y va, pas de soucis, mais j'y ai pas pensé, tu vois sur le coup ça met, okay. Heureusement la caméra elle a fait un petit coup. Attends quoi? Zéro. Comment faire pour grimper là-dessus? Je me pose la même question. Ok. Alors attends. Laisse-moi réfléchir. Peu cher et bonne mère. Ça passe? Ça passe, ok, très bien. J'y croyais pas deux secondes pour être honnête avec vous. Très très bien jusqu'ici. On va pouvoir monter par là. Le but c'est quoi? Oh, regardez, il est trop mignon avec ses jumelles. Ok. Je viens de recevoir des petits tirs blaster. C'est bon, les gars. C'est bon. C'est un grand détour, hein. Encore un petit peu. Quoi? Oh. Ok. Merci, BD. Je sais pas ce qu'il a dit, on saura sûrement jamais. Il a dit mettre un like à cette vidéo. Et c'est normal que Cal le remercie. Grimpons tout en haut. Très bien. Oh bah d'accord, il a pris sa part. Hein. Ok, allez, let's go. Yo les gars, j'espère que tout se passe bien là-dedans. Pas beaucoup d'espace. Ça craint un peu ça. Ok, j'ai cru que c'était un vaisseau. Ça appartient en boucherie charcuterie, hein. Dans 2 mètres carrés, je vous le dis les gars.
n'y a pas de peau. À ton tour de le signaler. Ici N9-7240 au rapport. On a des victimes. C'est le Jedi! Attention! Descendez-le! Attends. Ah. Suivez-le. Ok, let's go. Que quelqu'un prenne le relais! Ok. C'est ça. Ok. Continue. J'arrive pas à le toucher. Ok. Ok, let's go. Je suis un putain de Jedi. Bon, il faut que je mémorise que c'est la touche de droite, le double sabre, et non la touche de gauche. J'avais une chance sur deux. C'est parti. Je vois un nouveau vaisseau sur le scanner. Ils sont mieux équipés qu'on le pensait. Quel est l'état de la coque? Elle est dans un... Là, je mets quoi? Je mets le sabre entre les deux têtes, j'allume les deux lames, ça dégage. Ça devrait quand même suffire pour écraser ces insurgés. Il faut qu'on reste stable. Oui, chef. J'en reviens pas que ça ait fonctionné. Moi non plus, hein. Il a confiance, hein. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous enfreignez le protocole impérial. Laissez faire, BD. Arrêtez-vous, on nous laisse trop. Pas mal. C'est parti. Ah, ça va jouer. Ça, c'est les blasters. Ok. Ok, donc ça, c'est pour les canons. Allez, ça dégage. Et il est solide, hein. Solide de ouf, hein. Ok, ça c'est fait. Très bien. On va où, à droite? Non, à gauche. À gauche, à droite. À droite de la gauche. J'arrache tout, hein. J'en ai rien à branler, hein. Ok. Bah alors? Hé hey. Qui es-tu, toi? Oh! Quelqu'un qui vient de vous rapporter. Oh, comment il s'appelle? Et vous, qui êtes-vous? Personne, juste la bête noire de l'Empire. On se prépare à attaquer une plateforme impériale. Et on a besoin de renforts. Bien compris. Comment il s'appelle, Allons l'acteur? Allons les mettre vraiment en colère. Avec l'œil à moitié fermé, là. Oh, putain, je sais. Très stylé, en tout cas. Très, très, très stylé. Quel plaisir. Ok. Il faut qu'on les arrête. Attends, attends, je gère, je gère. Ok. Ça, c'est pas trop de soucis. Bizarre la vue dedans, hein. Très bien. Il y en a toujours plus. C'est leur défaut principal. C'est qu'ils en font toujours plus. Ok. Je vais tout péter, hein. Tout ce qui est rouge. Hein. Salopard. J'avais pas vu le vaisseau. On m'arrasse là, hein. Je reconnais, non? Heureusement qu'on n'a pas de jauge de vie. Ça va aussi, gros. Voilà. Respecte-moi un peu. Tu vas me respecter, merde. Et solide, hein. Voilà. Il se dirige sur nous. Tu peux faire quelque chose? Accroche-toi. Putain, les musiques parfaitement synchro sur l'action. Franchement, c'est du très bon boulot quand même. Clairement pas le jeu de l'année, mais c'est un très bon Star Wars en jeu vidéo. Ouais, ça va. Et toi, BD? Non, on peut pas faire ça toute la journée. Tu viens de détruire un marcheur en parfait état. C'est quoi ton nom? Cal Kestis.
So Guerrera, tu fais quoi sur Kashyyyk? Je cherche quelqu'un. Pourquoi vous êtes là? Avec mes hommes, on est venus sur Kashyyyk pour interrompre le ravitaillement impérial. Hey! Alors, qui est-ce que tu recherches? Un chef Wookiee qui s'appelle Tarful. Tarful est impossible à trouver. Il échappe pas à l'Empire depuis tout ce temps sans raison. C'est un résistant? C'est LE résistant. Le symbole de la résistance, Wookiee. Qui s'attaque à l'Empire depuis les Terres d'Ombre. Serré? Grise? Lui, c'est So. Comment ça va? Pourquoi cherchez-vous Tarful? Un truc de Jedi. Les Jedi sont finis. Non, pas encore. C'est sur un corps que tu l'as trouvé? Mon maître me l'a confié. Cette plateforme approvisionne une des raffineries impériales qui sert de Wookiee comme esclave. Si j'en crois mes informateurs, plusieurs détenus seraient en fait des rebelles. Eh bien, si je les aide, l'un d'eux pourra peut-être me dire où trouver Tarful. C'est possible. Oh, une seconde, attendez un peu. Le Mantis est super, c'est un vaisseau génial avec un très bon pilote, mais il n'est pas fait pour le combat rapproché. On reste ici pour surveiller les transmissions impériales. Avec un peu de chance, on captera des appels de détresse. Je vous remercie. On va partir en reconnaissance afin de préparer l'attaque. Venez quand vous serez prêts. Go! Go! Yeah. Hop, et c'était P1. Point de compétence obtenu. Ça fait un petit peu peur, non, tout ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que t'as à nous dire? Plus tard, Cal. Très désolé. Bien. Et toi? Avec tout est bien. Très bien, ouais, ça dégage. Content de te voir aussi. C'est un vrai dépotoir, cet endroit. Ton plan a marché. Et maintenant, tu veux suivre So? Qu'est-ce que vous pensez du plan de So? Son combat est perdu d'avance. Je doute que la liberté des Wookiees soit son seul but. Il semble digne de confiance. C'est peut-être le cas. Mais nous ne savons pas tout ce qui se passe ici. Et n'oublie pas que l'Empire aime les coups bas. Fais gaffe à toi dans la raffinerie, T. D'accord, je m'en souviendrai. D'accord. Ils ont pas tort. Je vois pas pourquoi on leur ferait confiance si rapidement. Il y a peut-être des réserves dans ce marcheur. Tu vas bien? Je vais bien. Oh! Un Chewbacca du bled! Oh, il est bien amaigri celui-ci. Hein. Mais rien de vraiment grave. Si ce plan tourne au vinaigre, on est fichu. Ok. Marie a repéré les garnisons les plus proches. L'Empire n'aura pas. Je sais pas ce qui va se passer, c'est stressant. On s'en sortira. C'est très 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 stressant. Scanne-moi ça. On s'arrête au prochain checkpoint. Hein. Enfin, ça dépend quoi il est, évidemment. Mais... Ok, c'est une cache d'armes. On a un truc à droite. Oh! Ok. Toute évidence, on ne peut rien faire. Alors sûrement désactiver un générateur ou autre. Ah, je reconnais ça. C'est la merde. Cette zone. Ok, 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 ok. Tiens, 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 qui voilà-je? On va rentrer là-dedans. Oh, remarque. Oh, j'aurais pu prendre le sabre bleu. Vous étiez à la majorité. Ah bah tiens, technicien. Très, très bien. Très 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 bien. On a plein de choses un petit peu partout, dont un orbe. On peut s'accrocher ici, ok. On peut aller là aussi. Ah! La tyrolienne, on peut la prendre que sur une descente. Très bien. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Forcément quelque chose d'intéressant. Pas du tout un raccourci. Ah oui, forcément, c'est de l'autre côté. On réessaye, mais ouais, forcément, voilà, hein. Pas de soucis là-dessus. Ah, on peut aller à... Ok, on va remettre le sabre en bleu. Tu en es où niveau puissance électrique? Oh, on va encore le break. Ce transformateur, je parie que tu peux tout court-circuiter. Et ben voilà. Encore. Encore une amélioration. Très très bien. Maintenant normalement on va pouvoir ouvrir donc les murs qu'on a vus. Couleur bleu. Voilà, on va repasser au bleu. Par contre le sabre est magnifique comme ça. Regardez-moi ça. Ouais, j'avoue que bleu c'est quand même stylé de ouf. Après vert c'est stylé aussi. Mais bleu c'est stylé de ouf.
Ok, très bien. On va pouvoir passer par ici. On va ouvrir le raccourci. Je pense que l'orbe, il faudra la récupérer un petit peu plus tard. Oh, Sugoi. Essayons ça. Ok. D'accord. Très très bien. Alors mathématiquement, on pourra pas aller à gauche, hein. Ouais, c'était évident. Comment on peut faire pour aller là-haut? Non, mais c'est quelque chose que j'ai pas. Ça doit être le même saut dont j'ai besoin pour... vous savez, pour l'autre planète. Donc je pense que... De toute façon, là, c'est comme le riz, les gars. C'est cuit. Donc on va ouvrir le raccourci. Oh putain, c'est de l'autre côté. Et ils sont chiants. Allez, c'est parti. Ah oui. Même là, je suis ridicule. Oh putain, bah ouais. Ok. C'est bon, pas de soucis. Plus de peur que de mal. Ouais, je pense qu'il me faut le sort de double saut. Non. Par ici. Viens ici, mon BD1. Ok, on va ouvrir le raccourci. C'est par ici, j'ai failli tomber dans le vide. Ah, mais je peux plus. Ah, y'a me BZ. Ah, oh, l'enfer. Terrible. Allez, on continue, c'est pas grave. Terrible. Ok, surcharge-moi ça. Il faut qu'on l'alimente. Très bien. Allez, aucun souci, ça dégage. Bon, on peut plus faire machine arrière. Ça dégage. Waouh! C'était pas prévu! Traîne-moi ça. Ok, donc eux explosent. Astime, BDA. Scarabée flamme, très bien. Allez, go. On va faire gaffe. Jedi, par ici. J'arrive. Genre, ils ont fait ça, les mecs? Foutage de gueule, hein. Foutez-vous de ma gueule, hein. Moi, j'ai dû acquérir des compétences particulières au cours de ces dernières années de Jedi. Et les mecs, ils sont là, tranquilles, ils m'attendaient. La raffinerie de sève impériale est droit devant. Qu'est-ce que l'Empire fabrique avec de la sève? Rien de bon. Il raffine la sève pour fabriquer un puissant composant. Et la production se fait de plus en plus vite. Bah, génial, on voit rien. On doit les en empêcher. Oui, c'est le plan. On ignore leur objectif, mais ils se sont trop dispersés. On a récupéré une carte qui prouve tout ça. Et voilà, Billy. Toutes ces raffineries servent aussi de camp de prisonniers. Ces découpeuses vont nous servir à faire diversion, pendant que toi, tu utilises ton sabre laser pour aller délivrer les Wookiees. Leur aide sera précieuse pour stopper l'Empire. C'est compris. Fais attention à toi. Ah, ceci explique cela. T'as entendu ça? Il a besoin de mon aide. Allez, BD. Très très bien. Bon. Libérer les Wookiees. Très très bien. Et eh bien on vient faire, sachant qu'on vient de là. Oh, je t'ai vu toi. Attends, je t'ai totalement vu. Qu'est-ce qu'on a? Ah voilà mon gars. Un Stormtrooper tué par Saw. Allez hop, deux points de compétence. Pas aussi radical. Très très bien. On continue. Excusez-moi messieurs. Ok. Alors attention. Ah, c'est la démo de l'E3. Yes, on avait vu ce passage, très bien. Ok. Eh ben, regardez. Il est temps de méditer. On va récupérer toute sa vie. On va mettre les deux points de compétence. Et tutti quanti. Alors... 1, 2, 3, 4, 4, ok, donc là c'est l'arbre de gauche, 2 points en chargeant le ralentissement, Cal peut ralentir toutes les cibles proches, augmente la durée pendant laquelle les ennemis sont ralentis en maintenant R1,
Cal regagne plus de force lorsqu'il élimine un ennemi et regagne un peu de force lorsqu'il touche un ennemi en garde. Très bien, c'est pas mal non plus ça en vrai. Hein. Ouais, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Cal dévie automatiquement les tirs de blaster lorsqu'il sprint et qu'il court vers les murs. J'aimerais bien gagner un tout petit peu plus de force pour le coup. Je pense que ça me paraît pas trop mal. Sachant que là on a des trucs aussi sympas. Augmente la distance parcourue de Cal lors d'une attaque chargée. Cal peut effectuer une autre attaque puissante. Après ça demande que des 2 points. En attaquant juste après un sprint, Cal peut effectuer une attaque spéciale. Au sabre laser. Maintenez la poussée, permet à Cal de propulser des groupes d'ennemis. Vous savez quoi, on va prendre les 2 du bas. Hop, donc là, je regagne de la force lorsque je touche un ennemi, qu'il soit en garde ou non. J'en gagne plus ou moins. Et là, ça c'est pas mal non plus. Ça c'est pas mal non plus. Très bien. Let's go, ça c'est très très cool tout ce qui se passe. J'ai envie d'aller au prochain checkpoint quand même. Allez, on va au prochain checkpoint. N'abusons pas des bonnes choses. Ici, c'est le plaisir avant tout. Ok. Bon. C'est par où? C'est par ici. Voilà. Aucun problème jusqu'ici. Là-bas, une des découpeuses est allumée. C'est un genre d'exercice, tu crois? Possible. Oh. Tu crois qu'il faut le signaler? Oh, c'est gueule. Ce serait contraire au protocole. S'il y a un problème, c'est à l'escouade de le signaler. Okay. Ok, on va suivre le protocole. Ouais. Très très bien ça. Vous l'avez vu aussi, non? Il va les reculer, il va se retrouver. Je suis là. Allez, faut insister. Oh non, 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 non. Oh putain. Ah! Oh là, ça dégage. Eh ben les gars, qu'est-ce qui se passe par ici? Ça, on va pirater immédiatement. Régale-moi. Il faut que je trouve des boules aussi de vie, de force. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Nouvel émetteur! Obtenu passion et puissance. Très bien. Je crois que quand tu précommandais le jeu, t'avais des sabres laser orange. Je suis bien dégoûté de ne pas avoir préco le jeu. Qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Très bien. C'était juste pour faire un mini-tour. Ok, pas mal. C'était juste pour choisir l'angle d'attaque. Par contre, je pensais pas être aussi proche du gars pour le coup. Ok. Très bien. On va lui régler son compte. À toi. Oh, wow. Ok. Entre toi et moi. Je te lâcherai rien. Pas mal ça. Pas mal. Pas mal du tout. Très bien. Attention. Sortez-moi. Oh shit. Jedi, j'attends ça depuis si longtemps. Ok. Meurs comme les autres. Destin est fait. Je vais te faire souffrir. Vite, m'aider. Il me démonte. Ok. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Très bien. Ok. Il faut passer en un sabre. Voilà, ça fait beaucoup plus mal. Ok, presque. Hop, 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 hop.
C'est nouveau ça. Oh là, ça dégage. Continuez sans moi. Ok. J'ai quelque chose à faire. T'as l'air coincé. Je vais régler ça. J'avais encore jamais vu un soldat comme ça. Il faut que tu fasses sortir les Wookiees de là. Ne t'arrête pas, Jedi. C'est ouvert. Oh, je suis dans une sauce. Très bien. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, on s'en est bien sorti hein, face à lui. Hein. J'ai compris comment le vaincre. Par contre, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gardes pour le coup. Donc, faut réussir à lui épuiser la jauge au maximum. Ok. Ça passe juste, hein, BD. Ouais, ça va être chaud. Ah, d'accord. Il vient de pop, hein. Il sort des murs. Visez le nez. On doit ouvrir cette porte. Ok. Ouvre-moi ça. Encore un autre coffre derrière, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? Nouveau matériau pour sabre laser obtenu mat, c'est pas mal. Ça me plaît beaucoup. Nouvelle apparence pour BD1, c'est pas mal. Un petit poncho, ça me ferait plaisir. Ok. C'est pas le moment de plancher. Attends, ça va flancher avec lui. Esquive autant que tu veux, et j'abandonnerai. Oh là, ça dégage. Hein. Ok, scanne-moi ça. Merde ! Ça va mieux. Oh, je me suis trompé de touche. Quelle horreur. J'ai plus de steam. Hein. J'ai plus de steam. C'est par ici. Mais c'est embêtant. Allez, on trace. Jusqu'ici, on a eu deux coffres. C'était plutôt cool. Ah, surcharge. Très bien, ça me plaît. Ça. T'es sûr que tu veux vraiment te brancher là-dessus? Ok. Ça, ça rigole pas. Hein. Ok. Très bien, bah écoutez, je suis dans une sauce. Un raccourci? C'est pour ça que tu voulais déplacer ça. T'avais aucune idée que c'était là, pas vrai? Tu voulais juste activer la découpeuse. Très bien, il y a un truc que j'ai pas compris. Oh, c'est juste des rayures. Il y a un truc que j'ai pas compris. Donc là, on a un nouvel accès. C'est ces grilles, très bien. Ah putain, sérieusement, la lumière en plus. My bad! My bad. Ok. Ok, il y a un truc pour se reposer. On va s'arrêter là. On fera ça la prochaine fois. Pas de problème. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. J'espère cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour l'épisode 10. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.